Déboussolé. C'est parce que c'est bientôt la fin. Merde, ouais, mais justement, ouais. La nuit elle tombe, merde, regardez la lune. Ah, elle commence à bander, bordel de merde. Oh putain. Regardez les arbres aussi, il se transforme pas en loup-garou, il se transforme en... Un bande de garou, je suis un bande de garou. On va... Non. Votre camion va être utilisé, monsieur. Merde, il est où? Ah oui, c'est vrai, faut que j'aille le faire, j'ai oublié. Merci. Bah oui, faut que je fasse le permis. Moi je te passe le permis, en même temps j'attends le permis. Je vous souhaite une... C'est bon. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour. Eh, bonjour la mairesse. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à madame. Bonne journée. Vous, c'est pour... C'est pour le camion. Récupérer le camion de la foyer, ok. Et vous madame la mère, c'est pourquoi? Plusieurs choses, moi. Ok. Ok. Il devait passer ce permis, il est là. Ok. Oui, c'est pourquoi, monsieur. Bonjour, pardon. Venez, monsieur. Oh, ah ouais, il y en a beaucoup, hein. Ah oui, on a des beaux modèles. Hein. C'est 650 roubles la Gunther, monsieur. 650. On a du beau modèle, hein. On a de la GTI. Un classique, le hein. Permis, c'est combien? Ah, c'est 750 roubles. Si j'ai bien compris ce qu'il y avait là, mais ça, je suis pas sûr que mon frère l'ait mis à jour, donc. Faudrait demander à mon connard de frère. Mais moi, je connais juste le prix des voitures. Donc, vous avez. La sportive. La GTI. Ouais. Vous avez la familiale. La rouge. Elle, c'est quoi ça? Voilà, et vous avez la bleue, c'est pour entre les deux, vous voyez, c'est. Voilà. Sinon, vous avez des Olga. Alors, le cuir est fait en peau de crocodile, les coussins en peau de couille. Ah ouais. Ouais, bon modèle. Hein. Après, les 4x4, c'est les plus chers. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est les plus chers, les 4x4. En tout, si je paye tous les blabla papiers et tout, ça coûterait combien une Gunther? Ouais, 650 euros la bagnole, 750 le permis. Attendez, parce que vous voyez les calculs, désolé, il n'est pas pu aller à l'école et du coup, voilà quoi, il m'en sort pas beaucoup. C'est logique en gros. Bon, alors mon nègre de compagnie, comment ça va? Je vais aller passer le permis parce que ça fait une heure qu'il attend ce jeune homme. Ok, ouais, le pauvre. Ah, c'est Gonzo, hein. En plus, ça. Ouais, ça va, moi je prends mon temps. C'est le nègre de la maison. Oh, t'inquiète. Oui, c'est un nègre de compagnie. Il est gentil. 250. Oh merde. Le champ de coton ou le champ de canne à sucre? Alors, je vais vous demander. On vous invite à l'aider. Donc, une petite avance sur le permis. Oui. Attendez. Donc. Ah merde, je pas encore. Oh, j'ai vraiment un problème, frérot. Ah, oh, ma mère. Vous devez me donner une avance de 125 roubles. Ok. Voilà. Donc, je vous dirai seulement gauche-droite. Oui. Et vous recevrez les résultats à la fin de l'examen. D'accord. Donc je vous demanderai de regarder si les retours est bien mis, si vos chaises, oui. Vous n'êtes pas trop loin, vous ne devez pas... voilà, la pédale, la jambe doit être à 90 degrés, pas à 100% plat. Donc, d'accord. Les deux mains sur le volant, voilà. Oui. Donc maintenant, vous pouvez démarrer le moteur. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de ceinture, le bâtard. D'accord. Donne la tablette, toi. Non, je ne peux pas parler. Il manquerait plus qu'on se fasse braquer. Ah, il est mort de rire. Parce que c'est les cons. Oh, wow, aïe. Oh. Je me suis cogné, putain. Ah, désolé. Oh merde, frangin. Tu t'es chié dessus? Oui. Je croyais que ça allait être un P. Oh merde. Oh putain, c'est merde.
vous voulez, j'ai un jerrycan pour nettoyer la banquette arrière. Bordel, je me suis gouré. Ah, Santa Maria. Et vous prenez la première à gauche. D'accord. Putain, je me suis chié dessus, merde, Santa Maria, si papa il le savait, il me frapperait encore. Ah, y'a mal au ventre, je sais pas ce que j'ai mangé, bordel. Moi non plus. Oh putain, faut ouvrir la fenêtre. Merde. Oh. Ah, Santa Maria. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je sais pas, j'ai mangé une boîte qui était ouverte il y a deux semaines. J'ai pensé que c'était encore bon avec le froid qu'il fait. Ah, frangin. Aïe, 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 il y a mal. Ah, il s'en bat les couilles, le bâtard. Vous voulez que je m'arrête? Mais je suis... Non, non, avancez. Oh, il va frotter son cul un peu plus loin. Eh bâtard, j'arrête pas de me chier dessus, bordel! Bon, arrête-toi, il va aller dans les buissons. Ah. Putain, pendant un permis en plus. Ah, yeah, mais je m'excuse! Ah! Oh, maman! Attendez, juste me mettre sur le bas-côté pour éviter de t'embêter dans le cas. Ah. Là, ça va être compliqué, bah, je vais pas gauche. Ah! Putain, frangin, tu m'énerves avec tes conneries. Ah, c'est toi qui nous a perdus en forêt, on serait déjà rentré, je serais sur les cabinets. J'avais me laver le cul en forêt. T'es capable de bouffer du riz chez moi. Merde. T'es capable de laisser ça traîner, bâtard, tiens. Remonte. Et nettoie ta merde d'abord. Non. Il m'a fou. Il a pas nettoyé. Tu me traites comme si j'étais un bébé. Bâtard. Mais c'est... Tu rigoles toi. Nègre de maison. Mais donnez le gifle. Non, non. Non. Avance. On est encore en cours. C'est ça qu'on dit qu'on grimpe pas là. Putain de merde. Ah, mon frère qui a un micro pénis, il faut jamais le montrer. Enfoiré. Je vais le faire traîner. Aïe. Putain. Arrête de dire que j'ai un petit pénis. D'accord. J'ai un problème de naissance et c'est pas de ma faute, c'est à cause de ton temps. Ah, faites la deuxième sortie. On a ton temps vagin. Oui, mais entre vous, vous pouvez vous battre. De quoi? Entre vous deux, vous pouvez vous battre pour savoir qui a le plus gros. Écoute, si je te donne un coup de clé d'amolette dans ta tronche, tu verras ce qui gagnera. Ça te va? Je suis pas sûr que je verrai encore. Voilà. Vite, go, 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 go. Stop. Arrêtez-vous, pas d'acculé. Bougez plus ou on tire. Stop. Bougez plus ou on tire. Stop. Allez. Bougez plus. Tu bouges plus, t'as le couteau sur la gorge. T'es de la jambe. Dominant, avance, là-bas, avance à gauche, suite. Dépêche-toi. Suis-nous. Dépêche-toi. Suis-nous direct. Baisse les bras et suis-nous. On a des armes, vous avez vraiment cru qu'on était sans armes? On est venu pour acheter, nous on n'est pas venu pour chercher des problèmes. Écoute-moi bien, on vient de braquer les commerces, alors viens là ici de suite. Ah ben, j'ai rien vu et j'ai rien dit, je dirai rien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, tu iras directement voir les flics et tu iras tout leur balance. Suis-nous. Allez, rentre.
Et tu sais qui on est? Je viens d'arriver, je suis arrivé juste hier. On est les MS-13. Je connais pas, je peux pas connaître, sachant que je suis arrivé juste hier. Tu veux voir, t'as le couteau sous ta gorge. Tu veux voir comment tu veux nous connaître? Tu peux parler de nous. Aïe. Un coup dans le genou. Ah, t'es beau comme un gland maintenant. Et pourquoi vous faites ça? Mais si, c'est nous qui faisons la loi. T'as compris, mon petit gars? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Ah, oh, t'inquiète pas, là, les deux petits enculés qui sont partis là-bas. C'est deux petits on enculés. On va les retrouver. Là, ah, qu'est-ce qu'on fait de lui? T'as de l'argent? Oui. T'as combien sur toi? Attendez, je regarde. Alors attendez, hop, je prends. Je donne à qui? À vous? Oui, à moi. Ouais, à lui tu donnes. N'essaie pas de gagner un peu plus de temps, sinon du temps t'en auras plus. Tu seras par terre, nu. Ouais. Avec un couteau dans le rectum. Merci. On t'attend. Allez, et j'arrive, oui. Je vais voir où il est le frère, j'arrive. Je vais voir où il est le frère. Ça va. Je bouge pas. Je sais pas où il est ce con. Je sais pas où il est. Il arrive. Ok, c'est bien. Écoute, c'est pour ton bien et le nôtre. Je te demanderai de retirer ta casquette. Et te mettre au milieu de la pièce. Vous allez faire quoi? Bonne nuit les petits. Ouh, arrêtez la viande qui là. T'aurais pu prendre le cadenas hein, à la place de courir. Oh, par contre, moi j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne ici. Ah, on a déjà un camion dedans. Ouais. Hé, c'est Garcia, oui. La marijuana. Yes. Si. Maya vient. C'est où le frangin? Attends, je me prends de la bœuf. Attends, on va viser. Ah ouais. Je savais. Tu passes ce putain de message à ces putains d'enculés de citoyens qu'on leur fasse comprendre qu'on est maintenant c'est nous qui commandons. Ok. Que le message sera passé maintenant. Ouais, je pense bien et j'espère bien qu'il est passé le message. Bien joué, Rouge. Bien joué. À partir de maintenant, on va conquérir ce monde vert et bleu. Il est temps de remonter. Ils nous prennent vraiment. Avant. Ouais, parce qu'ils prennent vraiment. Ils nous prennent vraiment pour des cons et notre accent mexicain. On se rend passer pour des lèches-culs. Maintenant, ce sera eux. Il est temps qu'on passe aux choses sérieuses. Le cousin qui l'a. C'est moi qui l'a, le canard. Donne-le. C'est pas le moment de peut-être. Frangin. D'ailleurs, fais l'idée que vous prenez un accent, parce que sinon t'es cramé toi aussi. Ouh, t'as un accent. Et moi, j'y vais parler comme ça. C'est bon, tenez. C'est bon, vas-y, au revoir. Bordel. Putain, cette jambe, elle m'énerve. Quand ce problème que j'ai, ce tic de partir à gauche tout le temps, c'est vraiment l'enfer. Oh, putain, ça va être tellement chaud, les gars. Ça va être tellement chaud. Mais c'est ça qui est bon, les gars. Nous revoilà en scène, comme au Mexique, bordel. Comme au Mexique. J'espère que ça se finira pas aussi mal qu'au Mexique. Et on est où? Bon, donc, cousin. Donc à partir de maintenant, c'est tu es orange, vert, rouge, bleu. Ah oh ouais. Ah oh, très bien ici.
C'est bon, c'est bon. Donc n'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit. Rendez-vous. Ah ouais. Un rendez-vous. Oula. Ah. Ça fait déjà la batte, non? Non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Chut. Hé, Alexandre. Oui. Rentrer non si. Venez venez. Faudrait qu'un mec fasse le guet dehors. Comme vous voulez. Oh, oh merde. Bon. On vous plaît pour ça. Bon pour vous. Ah putain. Rien d'autre. Quoi, c'est bien ça. T'aimes pas ça? Vous voulez quoi? Que je fais la chasse aux poissons ou quoi? Non, c'est bien ça. Personne n'a développement en ville. C'est pas mal ça. Regarde. Monsieur... T'aimes pas ça? Tout petit comme ça. Monsieur, vous foutez un peu de notre gueule ou... Allez, c'est d'accord. On vient de la part de Macheté. Ils attendent du gros calibre, pas du pitcher quoi. Ça c'est... Calibre. Ça c'est des fusils à billes, ça, monsieur. Pas, un fusil à le pont, monsieur là-bas, scorpion. il a pas un petit fusil à billes là-bas, le monsieur. Tenez. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est mieux. Ça je confirme. Vous n'avez pas d'autres scorpions? On en a, mais là c'est juste histoire de que vous voyez ce que c'est. Après on a du stock. Ça dépend combien vous voulez, combien de munitions vous avez sur le jeu. Les Colts sont pas mal. Ah, les Colts, je confirme, ils sont pas mal. Moi j'aime bien la SG5K. Ah, on fait des clins d'œil, donc le mode 6. Voilà, vous mettez d'accord, là. Regardez. Ouais, moi ça serait. Ouais. Ah, moi c'est simple, moi je partirais bien sur un Colt et une Scorpion, quoi. Pour moi, en tout cas. Pour moi, une. Pour moi, pour l'instant, c'est SG5K, 6 Scorpions, un bébé. Ouais, mais il faut pas oublier qu'on est là pas que pour nous, on est là pour les machetés, c'est eux qui nous envoient, les gars. Après, les plis sont chers aussi, vu que c'est des armes illégales. On va compter ça un peu plus cher que les gars. Et donc, c'est quoi les prix? C'est deux fois plus cher les que l'arme légale. Ouais, c'est cher. Mais ouais, mais c'est quoi deux fois? Moi je connais pas les prix. Bah, écoutez, on est au de 2000. Les G5 c'est autour de 4000 déjà, c'est cher là. Un peu vite. Vite, fait beaucoup de ça, un bon paquet. C'est bon. Ouais, t'as perché. J'avais entendu une voiture. Ouais. Wow. C'est que j'avais entendu. Après, ça dépend ce que vous prenez. Après, on peut vous faire un prix, on peut vous allonger. Je le calcule vite fait le manou pendant que je fais ça, dans mon cas. C'est bon, c'est bon. Ça fait 17 200. On va leur faire un petit prix, je pense, un petit rabais. On va descendre ça à 15 000. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va, ça me va. Ça va, messieurs? Bien sûr. Ça va pour moi. Vert, va chercher la molette dans la voiture. Attends, c'est fermé à clé. Vert. De toute façon. Ah ouais. C'est fermé à clé de toute façon. Bon, attends, orange. Tu peux aller chercher la mallette dans la voiture, s'il te plaît, qui contient l'argent. Merci. Juste. Ici. Donc, je dois déjà vous dire que
Les, la famille Macheté vous remercie. Voiture. Non mais pas tous, il y en a deux et puis... Je vous suis commissaire. Bien le bonjour. Bonjour. J'aimerais voir si vous avez vu le commerçant de babiole. Enfin le... Commerçant de babiole, c'est pas le marqué. Ouais, le supermarché. D'accord, mais... Alors... Pour le quoi? On l'a vu en... Vous les avez pas vus, hein? Bah, parce qu'on aimerait acheter de la nourriture. Oh là, il a pas l'air bien, votre collègue. C'est vrai. Non, malheureusement, il est pas très vous bien. Vous voulez quelque chose à manger? Bah écoutez, ce serait pas de refus pour lui, ouais, en tout pas cas. Pas grand chose, ça n'est avancé. T'as mis-le dans le coffre. Ah ouais, 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 donc... Vous donnez ça et un sandou, je suis gentil. Allez, descendons. Bon, tiens, pour monsieur, vous. Pourquoi il y a des gens qui se cachent dans votre arrière-boutique? Comment ça? Se cache. Bah oui, qui se cache, oui. Non, personne se cache ici. Deux personnes, je les ai vues. Déjà en arrivant, j'ai vu une personne avec un sac à dos rouge, et là, j'ai fait le tour, bizarrement, j'ai vu une autre personne avec un haut... Personne avec le sac à dos rouge, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici, elle a fait des achats, c'est pas des... Voilà, c'est une paire de chaussures, c'est en arrière. Oui, la personne avec un... Avec un haut gris, qu'est-ce qu'elle fait dans votre boutique? Oui. Personne n'a de haut gris, je vois pas, on est deux ici pour l'instant. Mais attendez, restez ici. Après, les portes sont fermées. On a des vêtements de rechange, mais... Ah. Oui, non, mais ici. Quand vous parliez avec le commissaire, moi j'ai vu quelqu'un. Reste ici, tu sécurises. Bouge. D'accord. Ici. C'est ici, il était où? Ah bah là, il était dans cette pièce-là, et puis là, il devait être dans le fond. Il devait être dans le fond. Non mais je rêve pas, hein. J'ai vu des personnes, deux personnes. Tiens mais attendez, je vais essayer de retrouvrir la porte là. Voilà, sont fermés, faites attention. Tout est fermé, c'est bon. Je l'ai refermé justement. Merci à vous. Vous fallait quelque chose? Écoutez, si... Qui sont ces deux personnes à l'arrière? Quelle personne à l'arrière? Bah, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait des personnes. Pas qu'il y a un sac à dos. J'ai le droit d'avoir des invités, même ici. C'est pas interdit, non? Bah, pourquoi il se cache alors? Bah, qui ouais, non, mais je sais pas, je comprends pas en fait le pourquoi du comment de qui vos questions, cache, en fait, monsieur. Pour le coup. Le pourquoi? Personne se cache. Base, pourquoi du comment de vos questions, nous, si on a envie d'inviter des gens, enfin, pourquoi... Alors, pourquoi ils se cachent? Je sais pas. Mais il y a une bonne personne se cache. J'aimerais juste... Une idée de génie m'est venue en tête, vous me dites que vous avez et je pense que j'ai pas le choix de faire ça. Et puis là, vous me dites qu'il y a personne qui se cache. Je vais être obligé de faire ça, mais ça peut me sauver la vie. Non, c'est contradictoire. J'ai pas dit qu'on cachait des gens. J'ai dit même dans le cas où il y a des gens, à l'arrière. C'est mon droit, non? C'est notre magasin, il me semble. Enfin, je sais pas, c'est... Oui, pour le coup, c'est votre droit, en effet. On aimerait juste les voir. Oh, ouais, on a plus le droit de se faire donner ici? Sérieusement? Ah bah, voilà. Hein? On voulait pas que vous sachiez que j'étais en train de me faire baiser à l'arrière de la boutique par plusieurs hommes. Et j'aime bien les hommes cagoulés et les hommes armés. Voilà pourquoi on s'est caché. On veut pas que vous voyez ça. Et je vous dis, c'est un scandale. Un scandale. J'irai me plaindre. On a le droit de lui faire les choses. Vous voyez, on a pas le droit. Je pensais qu'on était dans un pays libre, bordel. Un pays libre. C'est une honte. Allez vous faire foutre. Personne se cache. Je vous préviens, j'irai me plaindre à madame le maire. On a plus le droit de baiser tranquille ici. C'est scandaleux. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est scandaleux. C'est une honte. Bon, bah, monsieur,
messieurs les, voilà. Les PD, les... Maintenant, vous avez découvert ça y est. On a même pas le droit de se culbuter tranquille, quoi, bordel. Par contre, j'aimerais bien que tout ça reste entre nous. Ne faites pas d'article aux journalistes, s'il vous plaît. Je sais pas. Ça nous passe pas de la mauvaise pub. Ça va rester entre nous, hein. je vais le chuchoter dans l'oreille. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec votre cul. Hein. Mais. Ouais. Je fais avec mon cul, je fais avec son cul. C'est pas monsieur. Je fais avec son cul. Monsieur. Attendez. Bon. Ah, on a vu ça. Merci de votre visite en tout cas. Vous nous avez bien mis mal à l'aise, monsieur, merci. Voilà. On a un peu vu ça, monsieur. Fallait quand même nous le dire tout de suite. On n'a pas de. Je vous ai dit, on cache pas le sort. Je t'avais dit que c'était un mauvais délire de faire ça ici aussi, putain. Ah, je suis vraiment désolé, hein, mais c'est que ça m'excite trop ici au milieu des armes. Bon, messieurs les PD, les arrêtez, monsieur, je peux pas dépendre contre vous. Oh putain, on rigole. Bon, allez. Bonne continuation, messieurs. Au plaisir, là. Puis bonne journée avec monsieur le garagiste. Ouais, c'était pas monsieur le garagiste. Ah, j'ai pensé pas comme ça, les petits. Il nous en manque un. Oh putain. Je voulais que tu ailles le voir. C'est qu'il est. Bien, on y va. Bon. Ah ouais, mais... Retournons dans nos occupations. On peut niquer, là. Non, mais c'est complètement scandaleux. En plus, il m'a confondu avec le garagiste, quoi. What the fuck. On demandait les batailles. Vous êtes un voyeur... Voyeuriste, monsieur ? Non. Bon, il est là, c'est bon. Allez, on y va. Il faisait pipi dans les toilettes, là-bas. Voilà. Bon, bah, je vous remercie pas, hein. Pas non plus, du coup. Bah, ouais. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée. Ça te baisse fort, ouais. C'est ça, là, le problème, voilà. Et la voiture qu'on prend. Ah, ouais, vas-y. Allez, la carrière un peu plus bas. Non, t'es la voiture contre le mur ici. De toute façon, brigadier, venez voir. Ce brigadier. J'ai vu quelque chose. Monsieur le commissaire, moi je trouve ça louche. Ah bah, de se lécher la rondelle, oui, moi aussi je trouve ça louche. Voilà. C'est ça là, le problème. Passons à les manos. Quoi ? Preuve qu'on est bête. C'est là. Je vais aller chercher la voiture. Mais vous voulez faire la rock'n'roll ? C'est un plan foireux. Restez derrière. C'est un plan foireux, bordel de merde. Allez, maintenant. C'est bon. Elles sont où les armes ? Vous aurez... Dans le coffre. Ouvre ça les coffres, ouvre les armes demain, c'est bon. Rouge, avec Orange on va tirer au point de rendez-vous. Rentrez dans la voiture, non ? Non, ils vont à pied, ils vont à pied. Allez, vont à pied. Allez, go. Allez voir sur la route avant. Tu passes par derrière, on fait un grand tour. Ouais. A plus tard, merci messieurs, beaucoup, merci beaucoup. Faites attention. Oui, vous aussi. Je vais partir par là. Ouais. Pas trop le choix. Chaud. Ouais, j'ai pas d'armes sur moi, c'est ça qui me stresse le plus. J'ai pas d'armes sur moi, si ça pète, j'ai qu'une fumigène. J'ai rien du tout, moi. Ouais, putain de merde. Bon, on est resté quand même longtemps, mais c'est stressant. Ouais, ben oui. On va prendre un raccourci, pas le choix. On va prendre une arme. Ah ouais, on prend arme.
Putain mec, tu vas nous foutre dans la merde toi. Oh putain qu'il est con. Oh Santa Maria. C'est bon. T'as pas mêlé là. On va où là? On va où? On va essayer de partir. Prends compte qu'on peut se prendre un crash. On va foutre dans la merde. Non, tire pas. On va foutre dans la merde les armuriers. On va les foutre dans la merde, okay. Les pauvres. Tant mieux, je sais, mais. Attends, mais. Ah voilà, ça y est. Putain de merde. Hein. Ouais, mais on a un gros problème. C'est quoi? On ne voudra pas monter. Le pont, ça a l'air mieux. Oui. Il est juste à côté. Ah merde, c'est pas un pont. Ce pont-là ? C'est un barrage. Merde ! On a pas le choix d'aller à droite. Gauche, je veux dire. Le pont de gauche. Oh putain, Santa Maria. Mais ils auraient pas pu fouiller le commerce. Hein. Ils auraient pu rester campés là, mais pas. Pas fouiller rouge. Non, hein. Il y a un commerce là. Ouais. On est chez la Bradva. Ouais, je vois. Ouais. Normalement, si je me souviens bien. Oui, oui, on est bien ici. La prochaine est notre. C'est quoi en face? On s'arrête. Ah oui. Non! Cours! Par! Putain de merde! Putain. Oh! Putain, frérot! Non! Frérot! Ah putain, les bâtards! Chier. Ok, faut que j'arrive. Faut que je me cache. Faut que je me cache assez rapidement. Merde, comment c'est possible ça? Comment? Rouge, merde, rouge, putain. Vert, tu me reçois? Vert, est-ce que tu me reçois? C'est bien moi, j'ai pas l'accent mais mexicain, mais... C'est bien moi, tu comprends, voilà. Je sais pas si tu me reçois. On n'a pas pu arriver avec la cargaison. C'est pas possible, il nous arrive un gros problème. La voiture, beaucoup de problèmes sur le véhicule, elle avait du mal à monter les pentes. Et... Putain, là, je sais pas comment c'est possible, mais la police nous est retombée dessus. Je sais vraiment pas comment c'est possible. Je crois que Rouge s'est fait arrêter avec toutes les armes. J'ai entendu des coups de feu et il n'avait pas d'armes sur lui. Donc, putain, chier, ça a mal tourné. Vous avez bien fait de pas être venu avec nous. Vous avez bien fait, là, je suis caché dans un immeuble. Ça fait à peu près 5 heures que je suis dans l'immeuble. Putain de merde, ça... Je suis perdu, j'espère que tu reçois mon appel radio et
Je vais tenter quelque chose, je vais tenter de sortir, je vais attendre un petit peu, je vais attendre un petit peu encore et puis je vais tenter de vous rejoindre. Je sais vraiment pas où je suis là, je suis vraiment pas, putain, je suis en panique totale mec, je suis vraiment en panique totale, putain, personne peut venir me chercher. Vous pouvez pas, franchement, prenez les armes lourdes, venez s'il vous plaît. Là c'est grosse galère là, c'est une putain de galère. Allez, il est temps que j'aille, je peux le faire. Putain de merde, attends. Ah, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, où je suis, bordel de merde? Où c'est que je suis? Fais chier quoi, frérot? Frangin, bordel de merde. Casse les couilles! C'est l'enfer, bordel. Putain, je l'avais dit, je le sentais pas ce plan, je l'avais dit, bordel. Putain, c'était trop tôt pour faire ce genre de choses. Allez. What? Oh putain, un véhicule. Ah, un véhicule. J'arrive pas à remonter, putain. Putain, ils sont... Il y a vraiment des gens, là. C'est mon frère ou pas? Est-ce que c'est vert? Putain, je vais devoir aller voir si c'est vert. Allez, stresse pas, c'est rien. Allez, est-ce que quelqu'un... Je vois personne. Putain, c'est un plan foireux, j'en étais sûr, bordel de merde. J'en étais sûr. J'ai ultra peur là. Là, je stresse de ouf. J'arrive pas à voir s'il y a quelqu'un. Et ça a arrêté là, ça j'en suis sûr, mais de quel côté, je ne sais pas. Vert, c'est toi. Vert, est-ce que c'est toi? Putain. J'ai pas le choix, je dois sortir et regarder. Putain, j'ai pas envie de sortir, bordel, mais j'ai pas le choix. Oh putain. Merde, c'est les keufs. Oh putain de merde, ils sont juste là, bordel. C'est pas possible. Oh mais putain, j'ai vraiment pas de chance quoi. Putain, j'ai carrément pas de chance. Comment c'est possible qu'ils soient là, bordel? Ils étaient partout où on était. Aujourd'hui, bordel de merde. Comment je vais faire, bordel de merde? Putain, comment je vais faire? Je suis coincé. Et voilà les amis, ben c'est déjà la fin de l'épisode, c'est la fin de cette saison, tout court. Voilà, donc ben, je n'ai pas pu tourner la suite de l'épisode, tout simplement, voilà, ça n'a pas été possible. Et du coup, j'ai quand même voulu vous partager cet épisode-là, l'épisode plus dire final. Comme vous avez pu voir, on a réellement, mais vraiment pas eu de chance avec Mini, Ayoub, tout ça. Même avec les revendeurs d'armes, on a clairement pas eu de chance. La police est arrivée toujours, a été toujours à l'endroit où on était en fait. Exactement, c'était toujours pareil. J'ai même couru longtemps vers des immeubles et ils ont trouvé le moyen de s'arrêter à côté de l'immeuble. Il y a un autre passage que je n'avais pas enregistré, c'est qu'à un moment donné, ils sont carrément face à moi, où c'est que je suis caché à côté de l'escalier. Je les vois en face en train de parler à un mec qui a une veste verte. Ils sont en train de parler avec lui. Du coup, voilà quoi, c'était quand même assez tendu. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir choisi ce serveur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir soutenu dans toutes mes vidéos. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces choses-là. Puis voilà, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin. J'ai un petit hommage. Voilà, enfin, il y a un petit hommage, des petits trucs écrits qui va arriver. Et puis voilà, et je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Et voilà. Et ouais les gars, c'est la fin. Allez les Millenium, merci. Et merci aux tortues et merci à tout le monde. Allez, ciao.